Correspond à la transformation de l'ancien centre universitaire des sciences de la santé, GECUS, qui est devenu la faculté de médecine à la faveur de la réforme universitaire de 1993. Aujourd'hui à la faculté de médecine, nous sommes à la 35e promotion. Nous sommes à la 35e promotion. Et globalement, il y a en permanence 7 promotions à l'établissement parce que les études durent 7 ans, tout au moins pour ce qui concerne la médecine générale. Et faut-il bien sûr signaler qu'il y a d'autres... Il y a actuellement chez nous depuis 1989 des cycles de formation en médecine spécialisée. La faculté sur le plan administratif est dirigée par un doyen, assisté de 3 vice-doyens. Et pour le volet des affaires administratives et financières, nous avons un DAF. La salle de l'amour. She just can't have enough of me. Wap wrong. Wanna see me on jam night. Can you hear me? So crazy right now. What a mother fight. This girl just can't have enough. Can you hear me? Wap wrong. She's crazy. She never saw this one coming. Now she running around crazy. I gave her dick. Shorty got whipped. This girl is a trip. Thought you was in control. You didn't know what did you? Got ya. This dick is like a broom, going every corner, shift up the womb. 50 got the magic stick, I got the spoon, I bring the fun back into your bedroom. Don't you know I'm like crack and I don't give a jack. When I put it on you, you got to come back. This dick is like weed, like rolling on speed. Ha ha, yes indeed. She never saw this one coming. Now she running. Bon, ça fait 20 ans. Il y a eu 3 ans. On est parti en deux. En petit A et B. Donc, première année et deuxième année. Ah, première année, c'est ici. Deuxième année là-bas. Généralement, c'est là qu'on affiche le récapitulatif à la fin du semestre. Donc, c'est là où les étudiants en médecine savent s'ils vont ou non au rattrapage. Est-ce que beaucoup de gens vont au rattrapage? En fait, ça dépend. Généralement, les gens vont beaucoup au rattrapage dans les années, par exemple, première année et en quatrième année, parce que c'est l'année qui demande beaucoup d'adaptation. Mm-hmm. Donc, le temps de s'adapter, c'est là où il y a le plus. Sinon, il y a un maxi 10 personnes par promotion qui vont au rattrapage. Est-ce que c'est, on peut dire, le barbier est comme peut-être à l'université ou c'est le cauchemar des étudiants? Oh, non, en fait, selon moi, il reflète assez le travail effectif. Mm-hmm. Donc, un barbier est mauvais, c'est jamais que l'étudiant n'a pas compris le cours, qui n'a pas su, ou alors qui n'a pas su l'exprimer. Mais ici, vous avez été à quel niveau là? Ici, on a dans, on peut appeler ça la administrative, parce que là, on a le bureau du doyen, et là, le bureau d'un vice-doyen. Et puis là, en face, on a la bibliothèque, et puis la salle des profs, où généralement se font les délibérations. Ici, nous avons des thèses que nous ont envoyées les structures de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc là, ce sont des thèses qui datent pour la plupart de 80-90. Il y a même des thèses de 83-84. Elles vont être autour de 150 à 200 thèses.
Vous-même là, pour notre entrée, est-ce que vous en avez besoin, vous utilisez ou... On peut commencer à lire, puisque c'est notre futur de faire des thèses en cette 6e, 7e année. C'est ici que les profs tiennent leurs conférences, les conseils de classe, les conseils de discipline. Oui, donc, et généralement, lorsqu'il y a des conférences, des cérémonies, c'est là qu'on fait le plus à la avoir une vingtaine de groupes en fait qui nous ont enseigné cette année. Mais à la fin, c'est beaucoup plus. Il y a des groupes que tout le monde n'a pas encore rencontré qui sont spécialisés à l'hôpital en clinique. Et puis nous qui sommes encore en théorie, donc la première à la troisième année, on doit avoir une cinquantaine de groupes pour la partie théorique, les sciences fondamentales. Comme... Tu veux vraiment être médecin ou tu t'es dit ah ouais, je veux vraiment être médecin, on va pas tuer les gens demain quand même. Genre, ça te dit que ce sera beaucoup de boulot. Les deux en même temps, parce que c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire et je sais quel risque j'ai pris, je sais que j'aurai beaucoup de travail. Donc est-ce que vous pensez que dans votre promo on a beaucoup acheté? acheté. En fait, nous ne sommes pas les dirigeants de cette école. Mais si je dis notre promotion, ce sont des gars forts, ce sont des gars brillants. En tout cas, depuis, moi je n'ai pas encore vu quelqu'un qui me dit que à qui je vois qu'on a acheté le concours. Cette affaire d'acheter, il faut être à l'extérieur pour dire cela. Parce qu'à l'intérieur, acheter vraiment. C'est pas évident. Oui, acheter les meilleurs conseils, mais si tu travailles bien, si tu travailles vraiment bien, tu auras ton retour. Même si quelqu'un est entré par force, arriver ici, il est obligé de se mettre dans le bain. Parce que c'est quand même la vie des gens, c'est pas une voiture ou bien. Donc 47 garçons et 40 filles. Et ils ont été admis et dans un concours qui comptait 2500 candidats. Digital Promotion is a promotion that came into the faculty in 2001. So it's a promotion with the difference because the selection was very difficult and we had the highest number that's ever had. All true. That was 90. It is the promotion whereby we broke a lot of tradition. Like in the first year, normally the first years play a match against the second years when you just come. But when we came, we won the second years and we changed a lot of things. Like you have the fast and fast with Bob, we never had it. You have the evaluation with neuro anatomy, we never had it. And this year we have no t-shirts. We are going to use batches. So we break a lot of traditions. It's a very special promotion. And la promotion. Promo culturel. Culturel, c'est un tout. L'école, l'ambiance, tout ce qui est hot et qui est cool. C'est ça la promo partout. On travaille beaucoup. Et il faut souvent des heures de déstressage. C'est pour ça que 33 promos, c'est vraiment les moments forts. Ah ouais. Je dirais beauté, richesse et sagesse. Vous avez combien d'heures de cours par semaine? Oui, c'est bien. Bon, en calculant que par jour, on a environ 7 heures. Normalement, par jour, on va avoir 9 heures de cours. Donc, par semaine, 9 fois 5, 45. Oui. Donc, on a 45 heures de cours. Si l'on prend du temps, on fait ce que... Bon, si on enlève les heures de mercredi, on en a 40. Pas trop de cours compris. Quand vous avez, généralement, pour former docteur, c'est des petits savants.
Donc, nous avons dû avoir une vie littérature, il doit pas avoir une littérature grossière. Donc, je fais que, j'y comprends avec vous, notre compagnie, pour les cours sont à notre niveau, je vous rappelle que, en faisant la tête de l'usine, j'ai fait les concours les plus hauts, les scientifiques du Cameroun. Il n'y a plus d'envoi. Non, c'est plus d'envoi. Je ne dirais pas, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, au cours, c'est dans les cours, mais on les assimile. Et moi, je m'occupe particulièrement de conditionner ces problématiques qui soit bien prêt à temps. Vous avez beaucoup d'heures de cours. Comment vous arrivez à concilier toute cette ambiance avec les heures que vous avez? Puisqu'au départ, j'ai vu que c'est une promo culturelle. Donc, c'est former des gens qui créent le temps. On crée le temps à promo 33. Ça veut dire à 12 heures, généralement, quand on a la pause, on peut se retrouver à faire des choses. On peut se retrouver à jouer au Scrabble, aux échecs, à bavarder, aller même dans des endroits pour traiter tout ce qu'on a traité pour notre semaine et pour tout ce qu'on a fait pour la classe. C'est vrai qu'à un moment c'est trop, mais comme on a dit quand même, après notre slogan, les gens ont fait tout ça. Je peux commencer à retrouver la vie dans des personnes qui savent concilier très bien des études vraiment stressantes. Et savoir aussi, qui savent aussi, je ne sais pas, jouir de la vie, je dirais. Qui savent prendre plaisir à vivre, à être jeune. C'est ça quand on a un moment de déclic, on essaie de rendre l'instant vraiment inoubliable. C'est pour ça qu'on dit 33 pour les gens.